cette vidéo, nous allons vous présenter la Crystal Ball. La Crystal Ball est un contrôleur MIDI utilisant des capteurs de distance, vous permettant de jouer des notes et des effets avec le mouvement de vos mains. Regardons de plus près. Le clavier et les capteurs forment un binôme intelligent. Vous pouvez affecter à chaque touche un message MIDI, note ou effet, qui sera envoyé à l'ordinateur ou au synthétiseur en passant votre main devant le capteur. Il y a une colonne de touches par capteur, chaque colonne vous permettant d'affecter jusqu'à 4 notes ou effets par capteur. Ces touches sont éclairées en bleu. Vous pouvez également utiliser les touches comme un pad classique pour lancer des samples ou jouer des notes. Ces touches sont éclairées en blanc. Par exemple, nous pouvons jouer avec un kit de batterie. Bien sûr, vous pouvez mélanger les touches bleues et les touches blanches. Avec 5 pages en accès rapide et 24 banques, vous avez un large panel de configurations possibles. La zone de jeu se situe entre 5 et 35 cm. Avec un fader Max MSP qui capture les données MIDI, vous pouvez voir que les capteurs sont très réactifs et sans latence. Une des fonctionnalités les plus utiles de la Crystal Ball est la possibilité de mémoriser la position de vos mains au-dessus des capteurs, ce qui vous permet de créer des morceaux en superposant notes et effets. Par exemple, jouons une note avec un arpégiateur. En appuyant sur la touche même, la position de ma main est mémorisée. En repassant ma main devant le capteur, la mémorisation est remise à zéro, encore une fois. Remarquez que lorsqu'une note ou un effet est mémorisé, les touches correspondantes clignotent. Vous pouvez également désactiver une touche mémorisée, ce qui vous permet de rejouer avec le capteur tout en maintenant la note ou l'effet en mémoire. Voyons avec 4 faders. Nous pouvons voir que l'on contrôle les 4 faders avec un seul capteur. Nous pouvons également contrôler et mémoriser chaque fader un par un. Ce qui permet d'avoir 4 notes ou effets avec 4 valeurs différentes en utilisant qu'un seul capteur. Bien sûr, démémoriser chaque fader séparément. Vous pouvez déporter les fonctions de contrôle comme la mémorisation sur une pédale branchée sur le port jack stéréo et également connecter des capteurs externes. La Crystal Ball possède un éditeur dédié qui vous permet de configurer le clavier à votre guise. Vous pouvez également configurer le port jack, la luminosité et toutes les fonctionnalités. À tout instant, vous pouvez sauvegarder, exporter et partager votre propre configuration. Contrôleur MIDI universel, la Crystal Ball peut être utilisée avec tous les logiciels de création respectant la norme MIDI, comme Ableton Live, Traktor, Reason, Archaos Grand VJ, Modulate, etc. Plus qu'un contrôleur, la Crystal Ball est un véritable instrument offrant une nouvelle expérience visuelle et interactive. Ouais.